en avril 2007 à Julie-les-Buxy, c'est près de Chalon-sur-Saône, dans une région vinicole. Et donc, nous allons participer à un concours de niveau 1, un des derniers que j'aurais fait avec Tania, ma Berdite Collie, avant de passer en niveau 2. Tania, alors, donc c'était en 2007, en avril 2007, Tania, quel âge est-elle ? Donc, 5 ans, voilà. Je suis à l'heure actuelle en compagnie de M. Métainier, qui est le juge, et qui vient de m'expliquer les principes du parcours. Donc la première chose, c'est d'aller faire une sortie d'enclos. Il y a 5 ou 6 enclos que les moutons, les lots passent à tour de rôle. La difficulté de ce concours était qu'il y avait beaucoup d'agneaux et parfois séparés de leur mère, et ça a pas mal posé de perturbations à certains concurrents, et le juge en a un petit peu tenu compte. Donc là, je vais sortir le lot. J'ai un peu de mal avec la barrière. En compagnie du chien, le chien devant passer devant le berger pour lui ouvrir la route par la droite. Ça y est, la barrière s'ouvre. Bon, il y a d'autres façons hein, de sortir les brebis. Là, le juge nous a demandé de faire comme ça, de faire donc une protection du berger. Donc la chienne passe devant. Vous allez voir, elle le fait assez délicatement. Elle va sauter par-dessus une brebis sans lui faire de mal. Et voilà, les autres sortent. Mais ça va, je crois que je ne vais pas sortir du premier coup. Enfin, elle a fait la protection du berger, donc le tour complet du lot. Voilà, on voit qu'il y a des agneaux. Elle est déjà sortie, mais il y en a qui sont restés. Donc la sortie n'est pas extraordinaire. La chienne revient, je la rappelle, et je vais donc la récupérer et rentrer à nouveau dans l'enclos avec elle. Tranquillement, de toute façon on a le temps, on y voit. Donc je l'ai mis devant et je vais essayer de sortir à la main. J'ai mis la chienne vers les autres enclos de façon à ce que les brebis, quand elles vont sortir, ne se collent pas aux barrières des enclos parce que c'est toujours difficile à les déloger de là. Bon, ça a l'air de vouloir sortir, vous voyez la chienne devant, donc c'est tranquille, pour l'instant c'est bien. Mais tout n'est pas terminé, il y a encore une partie du lot à l'intérieur. La chienne ne bouge pas, là elle oublie bien, elle n'a pas bougé, ça c'est très bien. Ce qu'elle ne faisait pas avant. Donc ça sort, mais là elle a pris l'initiative d'aller récupérer les autres. Elle attend, je l'ai stoppé, elle a bien stoppé, les moutons se regroupent. Je l'envoie par la gauche. Là c'est un petit peu rapide, hein. C'est toujours un peu le problème que j'ai, c'est que ça n'y a beaucoup d'impact et il faut que je la fasse écarter loin et j'ai toujours un peu de mal. Avec ça, puis avec le stop. Là, c'est bien immobile. Là, je lui dis de se calmer. La distance est bonne. Alors maintenant, la deuxième opération, c'est de prendre possession du lot. Donc, d'envoyer le chien loin derrière. Normalement, l'arrêter derrière, que le lot ne bouge pas, ce qui est à peu près le cas. Voilà, parce qu'on va aller donc le long de la haie au fond pour passer une barrière. Bon, elle se fait toujours un peu plaisir. C'est pas très calme, mais enfin, ça, c'est pas si mal. Voilà, elle est bien loin. Quand elle est loin, tout va bien. On voit les barrières au fond de l'image à gauche. Donc on doit passer entre deux barrières métalliques avec l'ensemble du lot. En niveau 1, le berger peut passer à l'intérieur en tirant le troupeau avec le chien derrière. S'il y a des brebis qui passent à côté, ce sont des points en moins. Là, je ne me souviens plus, je crois que... Ben, c'est passé. Non, pas encore, là. On est vraiment au coin de l'image. Oui, c'est passé, sans problème. Donc la chienne derrière, ensuite on fait un déplacement, une transhumance entre les deux obstacles, normalement la chienne moins derrière, le lot, le berger devant, tranquillement. Mais vous voyez, elle a de l'impact. Et hop là, celle qui traînait sans affolement. Voilà, elle m'amène le lot. Et dès qu'elle s'approche, ils accélèrent. Donc l'idéal, c'est de trouver une bonne distance pour que tout ça, qu'il y ait une vitesse constante, qu'il n'y ait pas de heurts. Parce que si le chien s'approche trop, donc il pousse les brebis vers le berger et on stoppe le chien, c'est des à-coups, c'est pas très beau. On se dirige vers ce qu'on appelle la zone d'immobilisation, entre quatre balises,
Donc, travail du chien, c'est de maintenir le lot dans à l'intérieur du carré pendant que le berger est censé faire un travail sur une brebis. Et là, c'est matérialisé par le fait qu'on attrape une brebis avec le crochet et je crois qu'on doit l'asseoir. Ensuite, vous voyez, là, le chien travaille, il empêche les brebis d'aller plus loin. On voit bien deux des balises et ça se passe plutôt bien. Donc, je vais, maintenant que c'est stabilisé à l'intérieur tranquillement, prendre une brebis et Tania tourne autour, ce qui est bien, et voilà, le juge a dit que ça suffisait. On reprend possession du haut, on la voit la chaîne par la gauche, mais elle se fait plaisir, elle rentre un peu dedans, alors qu'elle doit rester à plusieurs mètres, et là elle reprend à peu près la distance, mais vous voyez là elle est à 10 mètres derrière et ça va vite quoi. C'est un chien qui a beaucoup d'impact, le Birdie, avec ses poils, et puis Tania a un tempérament quand même particulier. On calme l'ensemble. Je la renvoie par la droite loin en la faisant stopper. Et on va retourner vers le public tranquillement et faire un passage entre deux meules de foin. Il faut que l'ensemble des brebis passe entre les deux meules de foin. Là c'est pareil, c'est trop près. Elle n'est pas possible. Elle stoppe quand même, c'est bien. Dès qu'elle reprend la distance, ça va. Ça va, j'ai stoppé et elle obéit. Souvent, elle a encore quelques difficultés avec le stop, comme je le disais, avec l'écarté. Là, c'est reparti. Mais vous voyez la pression qu'elle met. Hein. Donc là, je l'envoie à gauche pour que les brebis passent bien entre les deux meules. Là, je la renvoie à gauche. C'est un peu rapide, mais ça passe. C'est rapide. Et après, pour ne pas qu'elle file tout droit au parking, je renvoie la chienne loin à gauche et qui les immobilise. Vous voyez, elle s'arrête et le troupeau, le lot, s'immobilise, il en profite pour pâturer un petit peu. L'étape suivante étant de ramener tranquillement le lot de brebis dans l'enclos, sachant que la manœuvre consiste à approcher les lots, à positionner le chien entre l'enclos et les brebis pour que les brebis ne rentrent pas à toute allure vers l'enclos et que le berger puisse fermer la porte. Bon, là, il y a un peu d'agitation, mais elle me les amène quand même. C'est avec un peu d'énergie. C'est dommage, la caméra ne zoome pas assez. Là. Donc, l'enclos est au fond, là. Et je crois qu'il y avait eu un petit problème, là, qu'on m'a demandé d'attendre un petit peu. Il y avait des brebis qui étaient sortis dans le temple. Donc, il va se passer quelques dizaines de secondes, je crois, avant que nous rentrions le lot. Mais on avait fait un score qui n'était pas si mauvais que ça. Hein. Parce qu'en moins, vous avez vu, il y avait assez peu d'obstacles. Mais enfin, pour les gens qui débutent, ils le savent, c'est pas évident. Hein. Moi, j'ai quand même fait 2 années en 1 avant d'avoir 2 excellents en 1 qui nous ont permis de passer en 2. Ça sera le concours suivant à Equis, pour lequel j'ai également un beau film où on voit bien ce qui se passe. Donc là, on va nous autoriser bientôt à rentrer. En tout cas, on voit la chienne au fond qui maintient le lot. Et là, je l'envoie pour reprendre possession. C'est toujours un petit peu près. C'est pour ça qu'il y a un peu d'affolement dans le lot. Enfin, là, je l'ai renvoyée derrière. Donc là, elle est positionnée entre, comme je le disais tout à l'heure, entre les brebis et la barrière pour que je puisse aller ouvrir la barrière sans que les brebis arrivent à toute allure pour rentrer. Et ensuite, une fois que la barrière est ouverte, on envoie le chien qui va tourner par la droite. Les brebis vont se coller aux barrières pour faire rentrer le lot. Et vous allez voir que le lot, il y a quelques brebis qui sont restées, qui ne sont pas rentrées, qui sont restées le long des barrières. Tania a une qualité, elle a compris, quand on lui dit regarde, elle regarde toujours s'il manque des brebis, et elle va les récupérer. Allez voir, là voilà, il y en a qui arrive devant, là, le gros du lot est rentré, mais il y en a qui restent là. Donc pour l'instant, elle rentre, le gros du lot, et après j'ai dit regarde, je crois que c'est là, je vais la renvoyer, elle a parfaitement compris par la droite, pour les déloger, et voilà. Vous allez voir, les brebis qui sont en long, là, et hop, le long de la barrière, elle va les pousser. Et voilà, sans problème, c'est du beau travail. Voilà, c'est bien. Donc les deux très bien. Et on va les ranger au bout. C'est pas encore tout à fait fini. Il y en a une qui résiste un peu là, mais elle y va.
Et voilà, Tania, c'est bien, je la rappelle, et je vais aller fermer la barrière. Hop, les caresses, elle s'en fout un peu, après. Elle préférait que j'envoie une balle. Hein. Mais elle a bien travaillé. Je crois qu'on a fait un bon score, je vais vous le donner après. Et je crois que je mettrai le tableau, les résultats dans le fil. Voilà, c'est terminé. Et donc, c'était notre dernier concours en niveau. Hein. Je crois qu'on en a fait pas mal sur 2-3 années. Mais c'est très satisfaisant d'avoir travaillé. C'est un plaisir fou. Merci. En fait, voilà le tableau. On a fait deuxième avec 58,5 points. C'est la deuxième ligne en rouge.